Hey, 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode de la place du marché. Alors, petite chose pour commencer, je vais vous faire, si j'y arrive, si j'y arrive, la visite de la maison. Bon, il y a pas, ça a un peu changé, mais c'est pas non plus quelque chose de waouh waouh. Donc, je vais vous faire la visite donc des pièces que j'ai réquisitionnées. Bon, tout n'est pas meublé parce que j'en ai presque plus de sous. Pas déconner. Donc, on commence par la pièce de l'entrée. Ta 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 ta! Et oui, ça a changé de couleur. J'ai mis finalement un canapé jaune avec une table jaune et bleue et puis le tapis bleu pour faire l'ensemble. Enfin bref, c'est plutôt sympathique. Je n'ai pas touché au papier peint. Je pourrais toucher au papier peint et au sol, mais pour l'instant, j'ai envie de laisser dans le jus. Je n'ai pas eu assez d'argent pour acheter une télévision. C'est pour ça que le salon est en mode très pauvre. Voilà. Hein. Pour l'instant, c'est donc la pièce d'entrée qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vue. Ici, ben rien de nouveau parce que c'est le couloir. On va juste aller voir ici la chambre à coucher. Vous voyez nos amoureux qui dorment. Et il y a des tables sur les côtés et un tapis violet qui va en accord avec le lit. Waouh, 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 c'est la folie. Ici, nous avons le bureau, mais ça, je n'ai rien changé par rapport à la dernière fois. Donc voilà, comme ça, on peut un peu continuer à découvrir. Et puis c'est au moins, il y a une fenêtre parce que dans la salle de l'entrée il n'y a pas de fenêtre donc c'est un peu chiant mais là c'est assez agréable. Ici bon bah c'est la salle de bain, rien n'a changé, voilà. Et en dernier c'était cette pièce ici que j'ai meublée. Tada! Bah oui, c'est la cuisine avec du coup le palier qu'on n'a pas encore droit d'y aller normalement. Alors c'est tout, c'est très très simple. Hein. Mais on a enfin une gazinière, des plans de travail. J'ai laissé le même frigo défoncé qu'on avait. Parce qu'il n'y a pas trop trop de sous. Et on a investi dans une deuxième chaise. C'est énormément d'argent, je vous l'accorde. Voilà pour la visite de la petite maison. Il n'y a pas. Donc je vous ai dit, c'est pas énormément de choses. Mais c'est ça. Si vous regardez en bas, on a bien les lumières, tout ça. Mais je n'ai pas meublé. Puisqu'il nous reste 391 simflouz. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Mais au moins, on commence à avoir de quoi vivre. On a plusieurs pièces. On peut faire ce. Il y a plusieurs choses possibles, donc maintenant on va travailler et gagner de l'argent pour débloquer d'autres pièces. Bonjour, jolie Dita. Eh bien, vu que tu es la première levée, tu vas donc servir le petit déjeuner des œufs brouillés au bacon. Non, 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 tu. Voilà, il faut manger dans la vie. Ah bah non. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais viens là, Nunuche. Qu'est-ce qu'elle fout? Servir petit déjeuner. Allez, Dita. C'est parce qu'il bloque le passage. Non, mais c'est une blague, ça. J'ai jamais vu ça, mon Dieu. Mais pourquoi? Ah, je vous jure, il y a déjà un souci. Viens là. Mais pourquoi? Ah, j'ai pas débloqué. La grosse nulle. Ça ne va pas très bien, en fait, dans ma tête. Voilà, c'est bon. Ils ont accès enfin à la cuisine. Tout va bien se passer et toi, bah, tu vas aller aux toilettes en attendant qu'elle fasse le petit-déj. Oui, les droits d'auteur qui nous rapportent 240 simflouz, c'est très très bien. Et il m'agace, hein. Il m'agace à aller là tout le temps. Tu peux venir là, vas-y, viens t'asseoir. Rends-toi utile un peu. Voilà. Et puis vous allez manger en amoureux. Un premier petit-déj. Dans la cuisine, en amoureux, c'est parfait. Et en plus, ils n'ont pas mis le feu, donc c'est encore mieux, quoi. Voilà, faire chanter la chanson du jour férié. C'est sympa, on entend l'église qui fait ding-dong. Sympathique. Ah oui, on est dimanche, donc c'est la messe. Du coup, pour l'instant, ça bosse tout doucement, tranquillement. Magnifique toile, franchement, magnifique, Darlan. Ah ben bravo! Eh ben maintenant, tu le répares. Ah oui, bah, il faut avoir plusieurs cordes à son arc parce que là, voilà, ça coûte cher à remplacer. On n'est pas riche, hein, pas vraiment pas beaucoup. Ok, super. Eh ben ils ont bien peint. Elle a fait son bouquin. D'ailleurs, tu vas aller le mettre tout de suite avant un éditeur. Comme ça, on aura quand même bien taffé. Et du coup, on va faire une petite réunion. Voilà pour bah pour gagner des points pour recruter deux autres personnes et puis on aura comme ça
faudra acheter après des avantages et tout le bordel. Hein, pour, je vous rappelle, c'est pour débloquer une pièce. On doit avoir 10 avantages de groupe d'un groupe de 8 personnes. Et c'est la pièce d'ailleurs ici. La pièce. Ah non, pardon! La pièce du deuxième étage. Donc c'est celle-ci. Donc je suis obligée de passer par là. Et puis comme ça nous fait voir les copains et les copines. Enfin, les copines, il n'y en a qu'une. Voilà, ils arrivent. Mais au moins, tu pourras leur faire à manger. Tiens, tu vas pouvoir leur faire un truc, servir le dîner. Sandwich au fromage fondu, je pense que pour tout le monde, ce sera sympa. Bon, allez, il est un peu 1h45 du mat. Juste un petit peu. Voilà, on va mettre fin à la réunion. On aura gagné quand même des points. C'est plutôt cool. Cocotte, tu vas aller tout ce qui est toilette, douche. Et puis. Allez, vous allez essayer de me faire un bébé? Non, alors. C'est après. C'est après. Pendant ce temps-là, Voilà. Vous allez faire un petit bébé. Ce sera pas plus mal. Parce que. Mine de rien, mine de toi, tu vas pas te coucher. Voilà, hein, ils vont commencer à devenir adultes. Donc, oui, il va falloir qu'on fasse les bébés. Même si on n'a pas forcément beaucoup de budget. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Va pas te coucher! Oh là 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 là. Ouais, va pas à la douche, mais. Elle est partie, la fille, Noël, elle est partie, donc tu peux plus. Alors? Une petite. Ouais, allez. Puis alors, ça fait tellement longtemps que j'ai pas pu faire de test de grossesse sur mes Sims. Je pourrai le faire quand elle pourra se réveiller. Allez, faites-moi des bébés, faites-moi des triplés. Comme ça, une seule grossesse, des triplés, ça pourrait être cool, merci. Oui, on a gagné des sous. On va travailler à la maison. Tu dois faire quoi? Tu dois soumettre une chronique. Va te laver alors, parce que là, tu pues ta mère. Soumettre une chronique. Très bien. Soumettre une chronique. Qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est ça. D'accord. Bon, bah, ça va être facile. 70 heures jusqu'à 18 heures. Ok. Et on revient sur tes besoins. On va veiller. Pour l'instant, il n'y a pas de double flèche, hein, donc tu vas quand même faire un petit test de grossesse. On va voir si tu es enceinte ou pas. Attention, alors déjà on a reçu les droits d'auteur de 369 Simflouz. Toi, tu peux aller faire tes trucs là. Est-ce qu'elle est enceinte ou pas? Oui. Ah bah non, parce que je croyais qu'elle était. Elle va aller l'embrasser. Oh bah alors, Darion, tu es stérile ou quoi? Parce que moi, ma petite Jojo, la petite Dita, elle a fait des bébés. Hein. Ça, pour faire des bébés, je vous confirme, elle sait en faire. Hein. Oh, la douche, elle est dégueulasse. Bon, c'est pas grave, on remettra ça bah, plus tard. Zut, j'ai pas remis le code auto-paybills, donc 2129 Simflouz à payer. Je vais me les créditer pour pouvoir les payer parce que de toute façon je n'ai pas le choix vu qu'on ne paye pas les factures. Et de toute façon, il vaut bien que je n'ai pas assez pour payer les factures. Waouh! Waouh! On a reçu 930 Simflouz pour l'article et qu'elle a soumis la chronique. Donc c'est hyper bien payé. Oui, alors j'ai gonflé les trucs parce que là, elle va payer les factures. Hein, donc c'est les 2000. Et 2000 euros, Simflouz, pardon, des factures qu'on va tout de suite perdre. Et voilà, 2129. On est quand même à 2544 Simflouz. Et c'est très bien! Waouh! Eh bien, on va remercier Louise Petit, qui, elle, nous a fait une jolie petite toile, hein, qu'on va revendre et qu'on va gagner 150 Simflouz de plus. What? Il nous a fait un chef-d'œuvre! Oh, 1300 euros Simflouz. Qu'est-ce que j'ai avec les euros aujourd'hui, tes parents? Oh, c'est un Simflouz. Oh la vache! Oui! Nous vendons. Pas de problème. Oh mon Dieu, pas de problème. Bravo Darion. Bah dis donc, tu es. Voilà, tu vas nous refaire des toiles du coup, hein, tu vas nous en refaire deux autres. On a un budget qui est monté à 4150 Simflouz. C'est ouf, on va pouvoir s'acheter une télé d'ailleurs, voilà, on va pouvoir s'acheter un évier aussi dans la cuisine. Et puis peut-être commencer à meubler un peu les pièces que nous avons en bas. Donc c'est très petit par contre, donc c'est un peu chiant. Je vois pas du tout ce que je vais en faire pour l'instant, quoi. Mais non, il m'en a refait un autre! Mais il est sérieux celui-là! 900! Oui. Oh Darion, finalement, tu es plutôt intéressant comme garçon, hein.
Waouh! Waouh! Ils sont mignons quand même, hein. Ils discutent, ils bossent chacun de leur côté dans leur petit bureau. Elle, elle écrit, lui, il peint. Et ça discute et tout. C'est trop mignon. Est-ce que tu as. Oh, bah dis donc, oui! Chroniqueuse culturelle, elle va avoir sa petite promotion, je le sens bien, hein. C'est canon, demain matin, promotion pour Dita. Et ça, c'est cool. On est donc au niveau 5. Ah, donc je vais devoir choisir une branche, je pense. Ah, ça va être intéressant. Au niveau du groupe, je peux m'acheter le premier avantage de groupe qui est donc amélioration de la capacité. Donc on pourra avoir 7 Sims. Oui, j'achète. Il nous reste 279 points. Pour l'instant, je vais attendre pour qu'on ait 8 Sims. Donc il faudra qu'on ait 500. Alors, pour le membre supplémentaire du groupe, je pense que. Oh là là là. Ah, ça va. Heureusement qu'elle connaît du monde. Hein. On va prendre Janine. Voilà, ça fera une fille de plus. Oui, on vend la galerie. Oui, bien sûr. 927 de plus. Et tu vas me vendre celle-là à 484. Ça va, on a atteint les 5000, quoi. Tout va bien. Ça va. C'est cool. Et voilà. Bon, les enfants, il est 19h20. Vous avez bien travaillé. Je vais les laisser encore bosser. Lui, bah, il va faire un petit peu sa life. Et puis, dès qu'elle aura fini de faire son bouquin, on réessayera de faire un petit bébé. Oui, je sais. Ça y est, mademoiselle a fini son bouquin. Non, 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 meuf, tu vas pas dormir, tu vas aux toilettes, tu vas vendre un éditeur. Et puis tu vas manger. Et puis vous pourrez remettre les choses sérieusement pour faire un petit marmot parce que t'avais pas commencé un. Qu'est-ce qu'il fait? Mais t'avais. Je croyais qu'il avait commencé une toile, celui-là, mais en fait pas du tout. Bon, bah il fait la vaisselle, c'est au moins ça. Et voilà! Des petits simflouz en plus dans notre porte-monnaie pour demain! Youhou! Allez, ça commence là, ça commence! Oh non, elle est tendue! Oh, elle est chiante! Oh, tu es chiante, meuf! Oh bah non, elle est inspirée! Elle arrête pas, hein! Demander à Darren de poser comme un mannequin! Non, on va complimenter l'apparence, on va draguer, on va parler de mode aussi, pourquoi pas! Hein. Ça améliore toujours la. Cap la... Comment on dit? La. Ça là! La performance! Oh, je sais plus parler. Et puis, voilà, recommande. Oh, tu es beau. Oh, tu es beau, mon amour. Tu es beau, mon amour. Est-ce que tu veux faire un bébé avec moi? Non! Non, 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 non. Oui, alors récite des romans d'amour, des six trucs d'amour, là. Et faire un bébé dans le lit, c'est plus confortable. Comme ça, vous pourrez dormir juste après. Cocotte, par contre, t'as pas fini ton dîner. Donc, il faudrait peut-être que tu t'actives aussi. Ce serait pas mal. Et sinon, ça te dit de. Ouh, Gabunga! Oui! Allez, go! Go, les enfants, go! Go, les enfants, go! C'est parti pour faire un petit bébé! En espérant que ça fonctionne, hein, ce serait sympa de pouvoir valider la quête. Premier enfant, sachant qu'il nous en faut trois. Donc, il va falloir se mettre au boulot, là, Darion. Allez, tu vises bien. Tu te lâches bien là où il faut. Sorry. Bon, ben, vu que tu veux pas te coucher tout de suite, cocotte, va te faire un test de grossesse, là. Hein? Allez, vas-y. Mais qu'est-ce que... Non, mais non! Mais faites ce que je vous demande, quand même, un peu, non? Vous allez vous coucher, allez faire tout ci, tout ça. Ça ira, après. Alors? Alors? Pompe? Oui, pompe! Ça a fonctionné! Tout va bien, le premier bébé de la place du marché est en route. Par contre, elle a tout dégueulassé, donc mec, tu vas la nettoyer. Ah oh bah oui, moi c'est mon esclave. Oui, Nubu, allez, va te coucher, va dormir. En tout cas, il en pleure de rire ou il rit de pleurs. Enfin bref, on sait pas trop. Je pense qu'il suis pas, il est pas très content d'avoir un gosse. Hein, il s'attendait pas. Bah, vous êtes mariés maintenant, les enfants. Ah oh! Eh ben, tu me répareras ça dans la foulée, mec. Ah, ça y est, plus rien ne va. Qu'est-ce que t'as? Ah bah ouais, bah va manger. Je suis en train déjà de surveiller. Là, c'est nausée. En train de surveiller. Bah tu vas pas manger, d'accord. Là, c'est nausée. Elle va prendre une douche directement pour son boulot. Puisque nous allons sûrement avoir une belle promotion, tout ça. Donc j'étais prête. Vous voyez, il est 8h30, 8h40. Et pour 10h, on aura la révélation, quoi.
Et ça y est, sélectionner une carrière pour Dita Hayes. Oui, maintenant qu'elle est mariée, elle ne s'appelle plus Badler, et ça, c'est bien dommage. Alors, créatrice de tendance. La mission d'une créatrice de tendance est de lancer des tendances en utilisant la mode et les vêtements. Grâce à son influence sur l'apparence des Sims, la véritable paix dans le monde pourrait bientôt exister. Travailler de 11h à 18h, 85 Sims plus de l'heure. Alors, le travail le samedi, mais pas le lundi, ok? Ou en styliste, un coup de ciseau par-ci, une petite retouche par-là, une association de ceci avec cela, et voilà, un nouveau style à la mode. Ce nouveau métier est totalement tendance. 100 simflouzes de l'heure, 11h-18h. Oh, ah là 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 là! Aucune idée de ce qui pourrait être. Parce que ça, je pense qu'on relouque les personnes dans la rue, c'est ça? Mais c'est vachement bien payé. Est-ce que ce serait chiant de relooker tout le temps tout le monde ou est-ce que ce serait sympa de juste créer des tendances? Ah, je sais pas du tout, hein. Allez, je vais faire styliste parce que ça me plaît bien. Et je me dis ça pourrait être rigolo de relooker des gens au hasard comme ça dans la rue. Donc ça va être très sympa. Allez, on choisit ça. Alors, promue au poste, habilleuse enthousiaste. Elle gagnera donc 30 de plus pour avoir 100 par heure, c'est énorme. 921 simflouzes de plus et miroir divisé OTP. Prochaine journée de travail commence mardi à 11h. Donc, bah, nickel. Alors, attendez. Hop, 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 c'est ici. Mettre à jour son statut réseau social, atteindre le niveau 3 de la compétence photographie. Voilà, bon, bah, elle ne doit pas faire grand-chose. Soumettre une chronique, elle l'a déjà fait. Bah non, c'était hier, mais c'est pas grave. Bon, écoutez, on fera de la photo, du coup, aujourd'hui, pour améliorer sa capacité, je vais y arriver. En photo, on est à 2, 45%. Donc, on a quand même quelques petites choses à faire pour avoir le niveau 3. Comment ça? Quoi? Le patron de Dita était déçu du travail qu'elle a fait à la maison. Elle a gagné 0 simflouze? Alors, Paul, t'es gentil. Attends. Travail à la maison. Il est 10h. Attendez, là, on est mardi 10h. Travail à la maison. Oui, ok. Mais pourquoi il dit qu'il est déçu? On n'a pas encore commencé on n'a pas encore commencé notre journée de travail. Il est con, lui, le patron. Non, mais dis, on peut pas être déçu alors qu'on n'a encore rien fait. Ah, je suis déçu, vous ne travaillez pas en dormant, Dita, ça ne va pas du tout. Non, mais lol, quoi. Un petit bug, quand même, un tout petit bug. Donc, elle va prendre des photos, ok, 5 photos, et je vois pas pourquoi ça a rechangé. Et niveau 3 de la compétence photographie, ça, ok. Ok, c'est très bien. Eh bien, on va sortir notre appareil photo et on fera des photos en masse. Oh bah non, Betty! Pas les raffiner pour Darion maintenant. Oh, c'est casse-couille, hein. Tiens, tu vas aller te prendre une douche. Ça va te calmer. Il va faire la vaisselle. Il est bien ce garçon, il est pas mal. Cocotte, tu peux venir là, tu vas venir faire des photos. Waouh, on est à 96%. Tu vas faire quoi? Tu veux vomir? Ah non, Cocotte. Allez, sois forte, reprends une photo. Ouais, non, elle va y aller. Elle va aller vous faire un petit vomito dans le buisson. Ah, et puis elle va tous dégueulasser en même temps, j'en suis sûre. Bon, alors, vous voulez le buisson avec le vomi ou comment ça se passe? Des gens qui jouent. Allez, on va valider, on s'en fout, de toute façon. On ne demande pas de faire des jolies photos, on demande juste de faire des photos. Et voilà, on a dû gagner, voilà, niveau 3 en compétences photographie. Eh bien, normalement, ça doit valider ici, alors. Niveau 3 de la compétence photographie et prendre des photos 5. Ben, j'en ai pris au 15, là, les gens. Il faut qu'elle prenne avec son téléphone. Vous allez me dire ça, c'est ça? Ah, ça va être chiant, hein. Impression photo. Alors, parce que. On va reprendre une photo avec le téléphone, on va voir ce que ça fait. On va prendre les gens, là. Ouh, ils ont l'air heureux de vivre. 2, 3, 4, 5. Mais ça valide que dalle, prendre des photos. Oui, d'accord. Tu vas venir au milieu là. On va peut-être des lieux différents, moi je sais pas. Est-ce qu'il faut pas faire impression photo? Hein, parce que la dernière fois, ça a été un peu la galère aussi de faire ça. Ah bah oui, bah ça n'a rien à voir. C'est impression photo et pas prendre des photos. Ok, très bien le jeu. Bah, c'est pas grave, hein, j'améliore ses skills en photographie. Voilà, c'est très joli ça. Maintenant, je sais ce qu'il faut faire. Allez, ma belle. Clac, clac, clac.
Et 5, sa tâche du jour est faite, on a gagné 1100 simflouzes, c'est énorme. Et tu dois toujours atteindre la compétence 3 en photographie que tu as déjà atteinte, mais le jeu ne veut pas te la valider. Ah, c'est génial la vie. En tout cas, il y a un tout petit bidou qui arrive et ça, c'est cool parce que ça... Voilà, on avance tout doucement, on avance. Et ben, écoutez, tu vas encore faire quelques photos. Tu vas faire des photos avec ça et tu feras une photo avec aussi. Tu vas prendre aussi un selfie, tiens, comme ça, ça te fera de la photographie. Du coup, ça donne quoi? Là, je vais mis faire ajouter une impression et trouver sa muse. Il va peut-être se remplir. Ça y est, toi, t'as fait ton taf. Vas-y, fais-nous un paysage. Ah oui! Ah oui, il y a des trucs qui s'ajoutent. C'est cool. Bah, tu vas contempler. Ouais, bah tu vas contempler. T'as pas encore tout à tout ajouter, mais ça s'ajoute. Hein. J'aimerais bien voir ce que ça donne à la fin, quoi. Quand il sera complètement blindé. Ça pourrait être sympa. Waouh, elle a quand même chopé 150 abonnés d'un coup. Waouh, j'ai envie de dire waouh, ma belle. Bah écoute, tu vas te détendre, tu vas aller prendre une douche. Hein, voilà, tranquillou. Putain, tu commences à avoir déjà du cul, ma belle. Hein. Oh. Non, mais la meuf, là, regardez-la. Regardez-la. Elle fait ses poses de mannequin. Non, mais tu te prends pour qui? Pour Dita? Oui, bah tu l'es, donc ça tombe bien. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton mec? Il faut faire des mamours. Oh, c'est trop mignon. Bon, par contre... Ah non, 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 tu te tais, mec. J'en ai déjà assez goûté la sérénade avec les vampires, là, j'en ai marre. Tu vas... Ça y est, on peut plus... Dans tous ces états, la coquine! Tu vas prendre des photos, tu vas me jeter ça, d'ailleurs, nettoyer. Oh, ouais. Non, non, pas de verre d'eau, rien. Et puis, tu vas refaire un peu de photos, parce que, bon, je sais pas pourquoi... Tu vas faire une impression photo. Je sais pas pourquoi tu peux pas. Tu vas prendre une photo de ta nouvelle cuisine. Bah écoute, regarde, c'est magnifique la nature morte au verre non bu. Oh, mais dis donc, ça a enregistré le guide du style. Bah, on va essayer, tiens, on va voir ce que ça fait. Je voudrais bien voir bah, ce que ça fait, quoi. Bon, bah, ça fait rien de particulier enregistrer le guide du style, hein, donc c'est nul. Hein, cocotte? Mais je t'avais demandé de nettoyer ça aussi, hein, tu déconnes ou quoi? Ah non, et là, t'exagères, hein. Encore un chef-d'œuvre pour Darion! 589, allez, tu me vends ça. Et 384. Bah, ça va, ça va, ça va. Oh là là, on a de la thune, les gens, on a de la thune, ça c'est cool. Bon, et ben comme t'es en bon état, on va commencer la réunion. Voilà, et tu vas commencer, tu vas aller discuter avec nos amis. Voilà, ils sont tous au taquet là. Oui, on arrive, on arrive. Tu vas leur faire un petit peu à manger, servir le dîner, des macaronis au fromage. Ah, arrête! Ah oui, c'est vrai que ça fait du sport. Non, non, ça rajoute des points, j'avais oublié. Ne pas critiquer, ils font du sport, c'est très bien. Comme le fait de faire de la peinture, mais par contre, Jamie Blanc, il faut la faire. Après moi, ça m'enquiquine là, qu'il n'y a pas de. S'y fait. Il est à peine arrivé, il sort une toile et il s'en va. D'accord, bah, peut-être qu'il va pêcher, peut-être qu'il va courir, parce que j'avais mis la pêche, mais on n'a encore jamais été pêcher. Par contre, il y a pas mal de poissons. Mais bon, non, il va aller courir, il va faire du sport. C'est bien, ça ramène des points, c'est cool. Mais quelle jolie toile tu nous as fait, Jamie. Oh, et en plus, on peut la vendre. Oh là là là, ça va nous ramener de l'argent, tout simplement, sans rien faire. C'est sympathique, vraiment, les événements de ce style. On va quand même discuter un petit peu pour ajouter des points, toujours des points, encore des points. Oh, et en plus, ils sont la bise. C'est trop kiki. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que quand je commence une réunion de groupe, en fait, j'ai que deux qui viennent à chaque fois. Je ne sais pas où sont les autres. Du moins, s'ils sont censés être là, ils viennent pas. Donc, c'est chiant. Bah, c'est toujours ça, hein. C'est-à-dire qu'on peut quand même s'occuper à discuter, mais... Voilà. C'est pas ça où je m'attendais vraiment à voir les 8 Sims, enfin 7 pour l'instant, en même temps. D'ailleurs, même la nouvelle n'est pas venue. Et là, il est reparti. Qu'est-ce qu'il fait? Non, il part, il vient, il sait pas. Ah bah tiens, si toi tu vas te mettre à faire de la toile, avec de la toile. C'est vrai, mais vas-y, ma belle, vas-y, fais de la peinture, c'est autorisé.
C'est bien, Darion, tu fais le sociable, c'est très bien. Comme ça, tu augmentes aussi ta... Il s'entend pas trop avec les garçons, hein. Tu peux parler du groupe, mais tu... Voilà, tu fais connaissance quand même. Tu... Voilà. Dita, elle gagne 175 abonnés. C'est un truc de fou. Ça va beaucoup plus vite qu'avec la carrière acteur, j'ai l'impression. Donc, voilà, tu racontes une blague, tout ça. Toi aussi, tu peux venir discuter, hein, parler de mode... Donner des astuces de réparation, tout ça pour gagner des points. Voilà, il nous faut 500 points pour désactiver, pour activer les 8 personnes dans le groupe. Ce sera déjà bien. Est-ce qu'aujourd'hui on va pouvoir débloquer une pièce? J'ai envie de dire, on peut débloquer le jardin. Hein. Ça, c'est pas un souci, mais je suis pas sûre de l'utiliser vu qu'au niveau des sous, c'est plutôt facile là en ce moment. Cet épisode, je suis à 9000 quoi. C'est énorme. Oh bah Dita, elle a décidé qu'elle allait se coucher. Bon, bah allez. Cocotte, attends, t'es vraiment fatiguée? Ça va. Viens manger. Viens manger un petit peu. Et les garçons, ouais, les garçons, ils font un concours de biscotto. Hein. Moi, je fais des abdos. Ouais, non, mais moi, je préfère faire des pompes. Allez, toi aussi, tu vas faire tout ça. On va mettre fin au groupe. Enfin, moi, la réunion, du moins. On a 482. C'est pas mal, voilà, ça ira mieux la prochaine fois. On gagnera plus de points. Du moins, s'il y avait plus de monde, ce serait plus sympathique. Qu'est-ce qu'il fait? Hé, mais notre... Mais t'as fait quoi? Notre toile, elle est où? Oh là là, je vous jure, c'est vraiment... On a des cas de tombe hein, ici. Ouah, son ventre, il vient de faire un boom. Je vous raconte pas, troisième trimestre en 24 heures, donc vers minuit et demi. Dita mettra bas dans le prochain épisode, sûrement. Donc, dans les commentaires, les pronostics sont ouverts, garçon ou fille, bien sûr. Et alors, oui, je veux bien que vous me mettiez des prénoms. Mes prénoms pas très communs, hein. Plutôt, comme vous voyez, elle c'est Dita et lui c'est Darion. D'ailleurs, c'est deux fois un D, c'est rigolo. Mais vous pouvez mettre des prénoms un peu originaux. Moi, je me ferai une liste parmi ceux que j'aime bien et je choisirai en fonction. Voilà. Donc, mettez-moi des prénoms très sympas, garçon et fille, originaux. Sympa, moderne, on va dire aussi, hein, parce que des Brian et des Brandon, ça, j'en veux pas. Voilà. Et après, je vais aller les mettre au dodo, les enfants. Tu vas au dodo, ma belle. Et toi aussi. Bon, lui, il est pas souvent fatigué, je trouve. C'est très souvent dans le vert, très longtemps. Est-ce que c'est pas un truc qui reste de ses traits que j'ai dû effacer la dernière fois? Je ne sais pas. Allez, ils vont se coucher. Et moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires, les prénoms, le pronostic. Et puis, ce que vous avez pensé de l'épisode en général. Mettez un like si ça vous fait plaisir. Vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à checker tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Et à regarder les pubs sur la page YouTube. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de la place du marché ou d'autres choses. Salut!